118, strophe 13. Jérusalem,
124. Qui s'appuie sur le Seigneur rassemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes entourées. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant, jamais un sceptre ami ne tombera. Cela n'a pas été juste. De peur que ne tombe au crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Pour le prier à notre tour, nous avions vendu nos harpes. Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, que ma porte se dessèche. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays de du jour de Jérusalem, quand il disait ma voix, rasée jusqu'aux assises. Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te rendront les mots que tu nous valus, qui saisira. Pour les siècles, amen. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu excite toute l'âme de nos yeux. Cantique d'Habacuc.
page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, avoir ton œuvre, Seigneur, je crois. Dans le cours des années, fais-la revivre, dans le cours des années, fais-la connaître. Mata el maskin, la communion d'amour. La vie de conversion n'est pas seulement un retour volontaire à Dieu. C'est aussi l'acceptation d'une invitation à entrer dans une alliance de grâce et de salut. Il ne s'agit pas d'une démarche valable seulement pour un temps donné. Elle n'a pas de fin. Car la grâce de Dieu transcende le temps et nous ne pouvons jamais épuiser les richesses de Dieu. De sorte que nous ne cessons jamais de redécouvrir la nouveauté de la vie divine, que nous grandissons et continuons à grandir en elle, selon notre propre volonté et la volonté de Dieu. Par suite, la vie de conversion ne peut avoir pour fin que l'union à Dieu. Il ne faut donc pas comprendre la conversion comme quelque chose qui conviendrait seulement pour un temps ou comme une étape dans notre vie. Il convient plutôt de la comprendre comme un chemin de vie avec Dieu. Ceci devient plus clair si nous réalisons que le mot « conversion » est une traduction du grec « metanoia » qui signifie littéralement « changement dans la manière de penser » ou « transformation de l'esprit ». Concrètement, l'Église comprend cela comme un renouvellement de l'être accordé par Dieu après le baptême à travers la confession. La conversion est d'importance vitale comme le baptême,
Elle trace une limite entre la vie et la mort. Elle est le fruit de la grâce du baptême, dont elle tire sa mystérieuse efficacité. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, l'heure est venue de nous prendre en pitié. Attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit : Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire.
Comment peut-on rendre le mal pour le bien? C'est la question que pose Jérémie dans le texte que nous venons d'entendre. C'est aussi peut-être la question que nous nous posons quand le mal prolifère malgré nos efforts. De quel bien et de quel mal s'agit-il ici? Nous pouvons comprendre que le bien est celui que Jérémie invoque sur ses adversaires dans son intercession pour eux. Ce sont peut-être aussi ces avertissements, durs à entendre, mais destinés à provoquer un sursaut et donc à se montrer salvateur. Jérémie a ainsi dénoncé le péché du peuple. Il a annoncé l'invasion du pays. Quant au mal, c'est celui que les ennemis ont l'intention de faire à Jérémie. « Montons un complot, disent-ils, et encore, attaquons-le par notre langue. » Déjà, ils ont creusé une fosse pour le prendre au piège. Alors, comment peuvent-ils rendre le mal pour le bien? C'est que le bien que leur fait Jérémie dérange. Car ce bien, qui est intercession et avertissement, est aussi appel à la conversion. Il est invitation à sortir du confort et de l'assoupissement d'une conscience anesthésiée pour faire l'effort de se retourner vers le Seigneur. Alors, les ennemis n'ont de cesse de faire taire cette voix importune. Et ils se rassurent à bon compte en se disant entre eux que la parole du Seigneur ne leur manquera pas. Il ne reste plus alors à Jérémie qu'à se tourner vers Dieu, qu'à en appeler à sa justice à lui, qu'à exiger son intention. Lui, le Seigneur, voit bien les intentions droites du prophète, le bien qui habite son cœur, et que ses adversaires ne veulent pas voir. À la lecture de ce texte, comment ne pas être frappé par la ressemblance avec la situation de Jésus ? Lui aussi est passé en faisant le bien. Lui aussi a dénoncé le péché et appelé à la conversion. Lui aussi a eu des ennemis. Ils ont comploté contre lui, se sont alliés pour le faire chuter, tous, hérodiens, pharisiens, sadducéens. Lui aussi a intercédé pour ses adversaires, jusque sur la croix. Il est mort et ses ennemis ont semblé triompher. Mais mystérieusement, les adversaires de Jérémie avaient dit vrai. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Car sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne, et il a le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. De fait, il l'a donnée et l'a reprise, et il en a déversé la surabondance sur tous ceux qui ont cru en lui, les faisant prêtres, prophètes et rois, les faisant annonciateurs de sa parole et guides sûrs pour établir un monde nouveau où la justice puisse habiter. Frères et sœurs, si dans notre liberté nous pouvons faire le choix dramatique de rendre le mal pour le bien, nous avons aussi le pouvoir de faire jaillir le bien du mal par la puissance et à l'exemple du Christ qui fait toutes choses nouvelles. Thank you.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, pour que nous vivions ce carême en toute vérité, donne-nous une vraie contrition de nos péchés. Nous te prions pour les hommes de science, que les développements venus de la technologie soient utilisés pour le bien. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les hommes politiques, donne à chacun la claire vision de ce qu'il faut faire et la force de l'accomplir. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nos âmes.
Mère de Dieu, afin que nous soyons